Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 9ème, oui 9ème c'est ça, épisode de mon let's play sur le jeu Anno 2070, mon let's play découverte où je m'éclate totalement. Je rappelle, objectif, faire en sorte que 2500 responsables vivent sur la totalité de mes îles, et pour l'instant on est à 1322. C'est pas encore ça, mais on s'en rapproche. Je vais continuer à mettre des habitations, tout simplement. C'est l'objectif, c'est le minimum requis. Alors, c'est chiant que, évidemment, j'ai pas assez de modules de construction. Ça produit vite ou pas ici, ces modules de construction? J'aimerais que ça produise plus vite. Ça produit pas assez vite. Y a pas la place pour en rajouter? Non, je crois qu'il n'y a pas la place. Faut pas non plus abuser. Regardons un petit peu les stocks. Ça augmente, ça augmente. Ça stagne. Ici, c'est pas bon. Ah, désolé. Oh la vache. C'est très très rare que j'éternue pendant une capture. Ça descend, les aliments diététiques descendent, mais je crois que les aliments diététiques, je les fais ailleurs, non? Où est-ce que je l'ai fait? Où fais-je les aliments diététiques? Ah non, je les fais bien ici. 82%? Pourquoi c'est que 82%? Tu m'expliques? Ok, les aliments diététiques, ça va. Les transmetteurs. Qu'est-ce qui se passe avec les transmetteurs? Quel est le problème? Toutes les usines de puces fonctionnent bien. Comment ça se fait qu'ici ça ne fonctionne pas à plein régime? Y a pas assez de puces? Je peux vous mettre encore une usine de puces si vous voulez. Toc. Bon, par contre, je crois qu'il va commencer à nécessiter du sable. Pas de zone de construction. Ah non, mais j'ai déjà trop de sable d'ailleurs. Peut-être du cuivre. Voudrais-tu encore du cuivre? Je pense que oui, le problème c'est que c'est super loin, il va falloir que je mette des dépôts. Toc. Ah, je suis un poil trop loin. Je suis un poil trop loin pour en récupérer suffisamment. Ah, mais j'ai plus d'outils en plus. Oh là là, la loose. Alors attendez, où est mon super navire amiral? Il est ici. Je veux des outils. J'ai pas assez de modules de construction. J'avais dit que j'allais en acheter, oui. Je vais aller en acheter. Une fois que j'aurai lancé cette histoire. Du cuivre, extracteur de cuivre. Alimentation en énergie inadéquate. Ok, pas assez d'énergie, je suis à moins 2. Je suis à moins 2. Ok. Alimentation en énergie remise à niveau. J'avais dit que j'allais acheter du... Je vous attendais. Ceci et ceci. Même pas, en fait, on va acheter tout. On va acheter tout. Je vais faire le tour de ces bâtiments. Des arcs. C'est urgent. La compagnie a toujours une certaine quantité de marchandises sur site. Toc. Moins 15 000, c'est pas très grave, c'est pas beaucoup. Ok, 40-40, déjà, c'est pas mal. On va pouvoir ramener ça. Alors, du coup, on va pouvoir s'occuper de par ici. On va pouvoir s'en occuper un peu. Ah, évidemment, pas assez de matériaux de construction. Où en est... mon petit vaisseau. Hop. Transfert terminé, on va pouvoir mettre des maisons.
Alors c'est exactement ce qu'il me faut comme nombre de maisons. Ok, bah ça fait déjà un bon paquet de maisons en plus. C'est une bonne nouvelle. Là, on va avoir le droit à un boom démographique. Du coup, ici, ça va pouvoir augmenter le nombre de responsables ICO. Qu'est-ce qu'il leur faut encore? Ah oui, cette histoire de robots de service. Faut qu'ils soient satisfaits à mort. Maintenant qu'ils sont contents d'avoir leur holoprojecteur, il leur faut des robots de service. Et les robots de service, et comment dire, compliqué. Il me faut des puces et des biopolymères pour faire des robots de service. Ah ouais. Des aquafermes, mais il faut cultiver des algues, donc c'est sous l'eau. Et du maïs. Bon bah là, c'est du maïs qu'il faut. Des modules de construction. Je vais aller demander des modules de construction ailleurs. Ah, c'est vous. Comment vont vos recherches? Ok, on va aller chercher là-bas. Je vais aller chercher là-bas. Est-ce qu'on va le faire? Ça, c'est la question. Est-ce qu'on va faire ces on trucs? On avance doucement, mais sûrement. Je me pose la question, en fait. Je me pose clairement la question. Est-ce que on le fait? Parce que sachant que, de toute façon, les résidents, ils sont max. Est-ce que c'est pertinent de le faire? Je me pose la question, en fait. Avez-vous des questions sur les technologies de SAAT? Nos technologies. Oups. Avez-vous des questions? Ah, je me souviens de vous. Passez me voir. Ok, si vous il y en a pas assez. Davantage d'équipement SAAT. Qu'est-ce que ça vend ici? Ça vend des outils. Bon, ça achète des modules de construction. Donc non. Ici, pareil. Je suppose qu'ici, c'est pareil. Vous ne trouverez pas de machines lourdes ici. Ok. Avez-vous besoin et de chez mademoiselle Yana Rodriguez. Ah d'accord, je vais plutôt passer reposer les trucs avant d'aller voir mademoiselle Yana Rodriguez. On s'en est bien sorti, grâce à vous. Allez, ça monte là ou pas ou... Zut. Ah quand même. Ça change de niveau. Ah oui d'ailleurs, au niveau des outils, ça va beaucoup mieux. Ça monte de niveau, c'est génial. Maintenant, il me faut des ingénieurs ICO. Là, il y a moyen d'avoir de nouveaux responsables. Dans cette affaire, vos services sont indispensables. 16 tonnes de fer et 14 tonnes de sable. Oui, bah pourquoi pas. Hein. Alors, attendez. 16 tonnes de fer, je vais les avoir ici. Toc. Et les tonnes de sable, je crois que je les ai en face. Yeah. C'est combien? C'est 14 tonnes de sable. Ok. On va tout balader à Monsieur Rufus Storm. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'il leur faut? Rien du tout, ça a progressé. Rah, là, ça nécessite des modules de construction et du bois. Du bois, c'est bon, j'en ai en grosse quantité. Pas d'ingénieur. Je regarde l'émission sur les usines de traitement des eaux fluviales. J'aimerais bien en concevoir une un jour. Pas d'ingénieur. Faudrait que je fasse le truc de participation, mais là j'ai encore... Ah, l'énergie qui va encore prendre un gros coup. Tellement, il n'y a pas la place. J'ai tellement de centrales... pas de centrales, de... d'éoliennes. Que ce soit des éoliennes offshore ou des trucs comme ça. Monstrueux. Un générateur de tours solaires. C'est quoi, c'est un générateur de tours solaires, d'accord. C'est bien ça. Ça veut rien dire, en fait. Générateur de tours. Ouais, non, ça veut rien dire. Allez, hop, un petit générateur de tours solaires. Puis-je informer le conseil d'administration? La compagnie est très satisfaite. Ça me bouffait tout mon capital. Non, ça va. Et boum! Plein d'énergie. Un bon paquet d'énergie. Toi, tu vas aller me chercher le module de construction là-bas.
Ici, on a des ingénieurs ICO qui arrivent. Opportunité de construction étendue. Encore des opportunités de construction ? Site de traitement iso-usé. Améliore le bilan écologique et construire sur une rivière. D'accord. C'est cool, ça. C'est cool. On a les derniers bâtiments disponibles. En plus, mur d'eau. Ah, c'est juste de la flotte. Attendez. Je vais essayer le truc. Ce sont des murs d'eau. D'accord. Décor paysage. Un fond de verre. Ok. Mur alvéolé. D'accord. C'est très très moche la façon dont je fais le centre-ville couvert. D'accord. Mur de quai, défini de port. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est sympa. Ça m'a rien de faire des ports, des jolis ports. Sauf que flemme, parce que ça prend de la place. Conception portuaire. D'accord, c'est des gros parcs. Ok. On s'en fiche. Alors, que me dit ma colonie à ce niveau-là ? Elle me dit qu'il faudrait ça. Je n'ai pas assez de verre. Je n'ai pas assez de verre. Allez, plus de verre. Ah oui, mais... ça va pas arriver en un bout de temps, donc on va attendre. 1452 ! Bientôt plus que 1000 ! On y arrive bientôt. Alors comme ça, vous n'avez pas où vous voulez savoir. Zut. Avez-vous besoin de l'aide ? J'en veux plus que ça. Toc, je veux tout ce que tu me proposes en verre et en... Non, pas en outils. Voilà. Et puis en bois. Allez hop. L'organisation vous remercie. Ça coûte pas si cher, hein. Ça m'a coûté 3000, sachant que j'ai 280 000. C'est bon. Je suis tranquille à ce niveau-là. Bon. C'est cool. Mon bateau va arriver, j'espère. Ok. Avec ça, on est bon. Vous savez, je veux de nouveaux responsables. C'est exactement comme ça que j'ai toujours imaginé une ville moderne. Eh ben, je suis content pour toi. Plein de nouvelles maisons. Ce qui va faire que... on devrait avoir de nouveaux responsables, j'espère. Non, pas de nouveaux responsables ? Bon, attendez, on va accélérer un peu le temps. Normalement, on devrait avoir des responsables qui devraient arriver. Ah oui, d'abord les ouvriers doivent arriver, ensuite les employés doivent monter, ensuite les ingénieurs doivent monter, et ensuite les responsables. Eh. Vous pourriez vous rendre utile. Fondation du centre de loisirs. Tu veux dire ce méga truc là ? Ce méga méga truc. Ah oui, c'est vrai. Je me souviens de ce que c'est ce truc. C'est un bâtiment très spécial qui, une fois construit, donne des méga gros bonus. Le problème, c'est que ça coûte, mais genre, un max. Vraiment un max. Première phase de construction du monument. Satisfait tous les besoins de construction. Tous les besoins de construction, tu veux dire les... C'est genre, c'est un gros centre. Ouh, bah si c'est un gros centre, je pense qu'il y a moyen que je le pose. Ouais, on va le poser. Si c'est tous les moyens de construction qui sont posables, il faut pouvoir le poser, sauf que ça coûte énormément, que ce soit en écologie. C'était quoi l'avertissement ? Site d'extraction de diamants. On s'en fiche. Que ce soit en écologie, en ressources, c'est ultra ressources d'or. Ça se dit pas. Le truc, c'est qu'il me faut 80 modules de construction. Ah, attendez, vous savez quoi ? Hop, on les empêche de monter.
parce que sinon ça va me bouffer des modules de construction. Je vais regarder où est-ce que ça en est. Ah, bon, ça se voit, là je commence à perdre des ressources. Que ce soit du poisson qui me manque. Toc. Je passais dans le coin. Quelqu'un aurait-il besoin de mes services? La trench coat. Peut-être que trench coat va me servir étant donné qu'il me faut... Il est où? Il n'a pas encore fait surface. Ah non, il est juste pas encore arrivé. Ouais, des modules de construction, tout ça, ça va me servir genre beaucoup. Donc on va aller chercher tout ça. On va aller chercher tout ça. Alors quant à nous, il faut qu'on règle ces problèmes, que ce soit de thé. Ah, je suis un peu loin. Que ce soit de thé, à ce niveau-là, on va en mettre ici. Ah, mais c'est gros ça, j'avais oublié. Ah oui, j'ai genre pas la place. Non, c'était pas celui-là que je voulais virer. Une nouvelle fois, vous avez une magnifique démonstration de ma padoué hit à ce niveau-là. Je suis pas bien, voilà. Ça ne suffira pas, je pense. On va au moins mettre ça, quand même. On va en mettre plus, sauf qu'il me faut des espaces de travail. Il y en a là. On va en mettre un de suivant. Voilà. Donc le thé c'est bon. Ensuite c'est les aliments diététiques qui sont en train de descendre, c'est ça? Où que c'est? Un entrepôt. Voilà. Non, c'est pas ça. Attendez. Le thé qui va remonter parce que j'en ai mis 4 de plus. Les aliments diététiques qui vont remonter, j'espère. Les transmetteurs qui ne descendent pas trop, en fait, c'est bien. Donc il faut que je fasse des aliments diététiques. Ensuite, il faudra que je règle le problème des plats de pâtes et des boissons bio. Alors, les aliments diététiques. Ici, je peux tout faire. Ce qui est une bonne nouvelle. Ah oui, c'est vrai que ces aliments diététiques, c'était horrible à placer. Surtout le riz. Qui bizarrement est une horreur à placer. Attendez, hop, on va le refaire. Ça va pas. Est-ce qu'il y a un emplacement? Non. Est-ce qu'il arrive à en mettre plus que 3? Non, il arrive même pas à en mettre 4, lui. Tellement nul. Bon, ça fait 108%, c'est pas grave. Ça m'embête un peu, mais c'est pas très grave. Ok, production de riz, de légumes, c'est bon. Il m'en faudra encore un deuxième, je pense. Il m'en faudra encore un deuxième. Qu'on va mettre... on va mettre quelque part par là, je pense. Un deuxième secteur... Du riz. Tac. Et le bâtiment pour produire des aliments diététiques. Voilà. Donc là, il faut vraiment qu'on règle ce problème. Éviter que les gens ne descendent de niveau. Donc, qu'est-ce qui nous manque?
On a fait... Oula. Ça fait 20 minutes. On a fait... Le thé qui ne monte pas, ce qui m'embête. Le poisson... Les aliments diététiques, peut-être que ça va mettre un peu de temps à arriver. En tout cas, j'espère. J'espère que ça va juste mettre un peu de temps à arriver. Ah oui, mais en fait, j'ai genre un max de légumes, tout ça, donc que je pourrais faire directement. C'est juste poser ces usines. J'en posais quelques-unes. Puis on verra bien. Bon, par contre, pour le thé, j'ai pas trop le choix. Il va falloir que j'en mette d'autres, on dirait. Tac. Je crois que je peux en mettre une deuxième à côté. Voilà. Ok. Je pense que le thé, ça va être régulé. Le poisson aussi. Enfin, j'aimerais que le poisson aussi soit régulé. On va en mettre d'autres. Voilà. Je pense que thé, poisson et aliments diététiques, ça doit être régulé. J'espère. J'espère. Il faut vraiment que ça commence à remonter. Les transmetteurs, je m'occuperai de ça du coup dans l'épisode prochain. Il faudra aussi que je m'occupe des pâtes et des boissons bio. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo, à mettre un pouce bleu, etc., etc. Et puis, je vous retrouve dans 3 jours pour la suite de cette aventure. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien !